Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là depuis 2 jours? Ramer. On a ramé. On rame. Vous faites là depuis 3 jours? Ah, on fait des filles pour faire... Bah, on rame. Moi, j'ai pas d'ampoule, perso. Après 2 ans d'entraînement, on est quand même prêts. Ouais. Bah, elle rame. Non, Jessica, elle a bien ramé aujourd'hui. Elle a bien ramé hier aussi, hein. Elle est au top. Avec Vincent, Martin, Amadou, Michael, Damien, Anne-Lise, Judith, Jean-Christophe, Jessica, un peu tout le monde. Oui. Oui. On tourne. On tourne. En cours de navigation, vous non, on s'arrête sur l'eau et on s'arrête sur l'eau et on met les pagaies en position. Ah, voilà, oui, ça et, après, et après et après vous ranquez. Ouais. Voilà. On avance. Ça hein. Non. Non. Et en non. Aviron alors, c'est qui le meilleur? Bah moi. Ah mais c'est moi. On rame en fait tous ensemble, on y 13 jeunes. On a ramé tous ensemble. Donc très jeune, donc 7 de l'IME et 6 de Saint-Joseph. Et on rame ensemble et tout, on apprend à se connaître. Ça fait 2 ans qu'on apprend à se connaître ensemble. Ça se fait, on s'entraîne, hein. Bah, sinon ça se fait pas. Hein. Réfléchis à ma réponse. Pourquoi j'ai voulu le faire? Parce qu'on était motivés. Bah, d'autres défis, c'est différent dans la vie, égaux dans le défi. Ça s'appelle différent dans la vie, égaux dans le défi. Je sais pas si on peut dire que ça a changé mon regard, puisque... Donc ça n'a pas changé mon regard puisque j'avais déjà un regard avant. Donc voilà, ça... On va dire, comment on peut dire ça... ça... Je sais pas, ça... La gueule. Voilà quoi, c'est cool. Non, on est plus ensemble, on a un groupe uni, on parle pas que du défi, on parle de la vie... Bah c'est sympa parce que ça fait 2 ans qu'on le fait ensemble. Parce qu'on était motivés. Il y a une bonne ambiance. Non, c'est pas difficile, c'est même encore plus simple. Au début, c'était fric, frac, vop, il y a un coup de pelle là, on allait pas ensemble, c'était chacun pour sa pomme, les IME avec les IME, tout le tralala. Après, on s'est mieux connus, on a mieux fait, tout. Et puis Léo, c'est ce que je suis arrivé bien à ramer, en rythme avec les autres, parce que moi, j'ai du mal à suivre les autres. Et que là, je pense que j'arrive bien à suivre. Et donc après, il nous a demandé de choisir une partie du lac pour faire le défi, quoi. Et donc, on a choisi un parcours. On a choisi un parcours qui était le côté est du lac. On est parti hier de Saint-Saint-Golf. On est allé jusqu'à Montreux en faisant un petit crochet par le château de Chillon. Ça se passe... Enfin, moi, je suis pas trop fatiguée, perso. Et je trouve que ça se passe bien vu qu'on va plus vite que d'habitude. Tu t'imaginais que tu aurais pu faire 40 km? Alors au début, non. Au début, je me suis dit 40 km, rien que là, c'est énorme. Franchement, je pensais pas que ça allait être. Et en fait, quand tu es sur le bateau et que tu avances et que tu vois Vevey au loin, tu te dis ça passe super vite et c'est pas aussi crevant que je le pense en tout cas. Bah, ça s'est très bien passé, sauf à la fin. Il y avait quand même du vent, hein. Ah, l'eau était agitée et faisait pas beau et tout. On n'a pas de chance, mais sinon, c'était un peu difficile pour ramer et tout. Hein. Ils ont ramé en cadence et on a pu faire les pauses et même réaliser des choses qu'on n'avait jamais faites. Par contre, c'est changer au milieu du lac malgré les vagues. Allez, 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 allez
Mange un petit coup. Allez, vers Christophe. Allez, vers Christophe. Allez, on va faire un deuxième, ça se rentre, hein. Allez, vers Christophe. Allez, allez, allez. Ils se sont comportés d'une façon exemplaire. C'était vraiment impressionnant à quel point ils pouvaient être sérieux et se retrouver concentrés sur leur rame. Toutes les instructions qu'on leur donnait étaient appliquées à la lettre, toutes les consignes de sécurité et tout ça. Et là, on a vraiment vu qu'ils ont travaillé pendant des années et que ça sert à quelque chose. Tout le monde se connaît tellement sur les bateaux que là aussi, au niveau sécurité, chacun sait les limites des uns et des autres. Et là, ça nous a servi pour traverser le lac. Moi, je suis content de moi maintenant. Ça me donne envie de recommencer un autre défi. Tu vois là, c'était super. 1, 2, 3, allez!